rencontré plusieurs théâtres, enfin tous les théâtres, ou suffisamment de théâtres pour avoir l'idée que Orlando a traversé toutes les possibilités théâtrales. A-t-il trouvé au bout de tous ces théâtres quelque chose qui soit le théâtre qui donne du sens, le théâtre du sens? Je ne sais pas, peut-être que le spectateur a sa réponse. Et puis je dirais aussi que, comme certaines de mes pièces, peut-être pas toutes, elle est systémique, c'est-à-dire que c'est un système. C'est comme un système philosophique, philosophique du XIXe siècle. Je ne pensais pas de penser là, là ou là, de penser ça, ça ou ça. Il s'est forcé d'avoir une pensée qui soit suffisamment détachée, ou plus particulière, pour arriver à un système de pensée. Alors, c'est une sorte d'étrange maladie littéraire, que de vouloir faire des œuvres systémiques, des œuvres qui soient du monde, une maladie littéraire qui me revient de temps en temps, qui remonte de temps en temps. J'ai la fièvre du système, et je m'efforce de faire une pièce qui parle, qui pourrait parler de tout, qui parle de tout, de la mort, des vies, de l'art.